Acclamer Jésus maintenant. Amen. Merci de reprendre vos places. Quand j'étais assis, j'ai prié, je disais, oh, que le pasteur me donne la parole parce que j'ai commencé à somnoler. Amen. J'ai fait un mois aux États-Unis avec le décalage, ça devient trop compliqué. Parce que maintenant, là-bas, c'est la nuit. Gloire à Dieu. Ça a toujours été une très grande joie de venir à Site. Amen. Et je ne cesserai de remercier l'homme de Dieu, le docteur David Pacha, pour cette marque de confiance et cet amour qui ne cesse de me témoigner. À chaque moment que je passe par ici, il me donne... Il me cède sa chair qui est chère. Amen. Pour me permettre d'apporter la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Et je bénis Dieu pour tout. J'encourage tout le monde de prier pour la grande activité qui commence du 27, donc du 27 au 30. Hein, au 31. Donc on finit l'année. C'est le dixième mois de l'année, donc le chiffre 10 a toujours été un symbole très prophétique. Amen. Parce qu'autrefois, quand on voyait quelqu'un porter la varèse numéro 10, on se disait que c'est lui le meilleur joueur de l'équipe. Amen. Donc c'est un mois qu'il faut bien saisir, parce que je crois que Dieu fera grâce. Amen. Donc, vous voyez, on fait que chauffage. Donc, après le festival, nous avons Odis de l'Homme. Combien de gens veulent que je vienne? Combien de gens veulent que je revienne? Ah, Maurice! Amen. On va s'organiser pour ça. Wow. J'ai effectué un très, très bon voyage en quittant ici. C'était pas... facile pour moi parce que j'ai prêché 8 fois, je crois. Je suis allé à Chicago, j'ai apporté la parole, j'ai prêché à Champaign, j'ai prêché à Seattle. Un jour, j'ai quitté Kentucky, j'ai fait 8 heures du temps pour arriver à Seattle, toujours aux États-Unis. L'États-Unis est très vaste, c'est plus que ce qu'on pense souvent. Donc, et même déjà là-bas, ils ont un décalage de 3 heures. Donc, il y a des coins où vous avez un décalage de 3 heures, décalage de 2 heures. Amen. Et j'étais aussi à Charlotte. J'ai apporté la parole de Dieu à Dallas. C'est une ville que je fréquente généralement. J'ai prêché un vendredi dans une église et dimanche dans une autre. Et j'étais obligé de rentrer. Donc, c'est aujourd'hui que je vais prendre mon avion pour rentrer chez moi. Amen. Gloire au Seigneur. Mais comprenez que tout au cours de cette périple, de ce voyage missionnaire, c'est ici que je prêche pour la dernière fois. Pour ce voyage ici. Ah, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui suivent Internet ici. Oh, mon colonel, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un. Moi, je ne mourrai pas maintenant. Ce sont de telles paroles. Hein? Ce jour-là, il a dit dernière fois. Donc, ayebaki, ngana ebite. Donc, il faut pas se couvrir. Amen. Ah. Si c'est Dieu qui tient la vie, donc, nous avons encore des choses à accomplir avec Dieu. Et nous croyons que par sa grâce et par son amour, Dieu va nous garder. Amen. Donc, nous allons écouter un très bon message et je vais faire de mon mieux pour libérer tout ce que j'ai. Amen. Je vais faire de mon mieux pour libérer tout ce que j'ai. Et je sais que toi, particulièrement, tu seras béni.
Je disais, toi particulièrement, tu seras béni. Souvent, ça ne dépend pas seulement du prédicateur. Ça dépend aussi de la personne qui écoute. Souvent, je rencontre des gens qui me disent, oh non, ce pasteur-là n'a pas bien prêché. Attention. Tu sais que quelqu'un peut ne pas bien prêcher, mais si tu as envie d'écouter Dieu, tu vas écouter Dieu. Toi qui cherches un pasteur qui va te prendre 50 minutes, une minute. Mais les centenaires romains avaient seulement besoin d'un seul mot. Juste un seul mot. Quand on a la foi, on n'a pas besoin de 1000 mots. On a juste besoin d'un seul mot. Quand tu vois quelqu'un chercher plusieurs mots, c'est qu'il a un problème avec l'incrédulité. Il cherche encore qu'on puisse le convaincre. Quand tu as confiance en Dieu, quand il te dit « fais ceci », tu le fais. Mais quand tu vois quelqu'un chercher des signes, c'est qu'il n'est pas encore convaincu. Donc, un des problèmes pour nous, c'est de développer la sensibilité spirituelle. Donne-moi un amen bien. C'est pourquoi un message dans une église peut accomplir des grands miracles, mais le même message, avec la même onction, dans une autre église, peut ne pas accomplir des miracles. Quel est le problème? Le problème, c'est la sensibilité, la soif des gens qui écoutent. Quand on vient à l'église, on doit être déterminé, assoiffé, passionné. Écoute ce que la Bible dit. Je suis dans la joie quand on me dit, pas quand je suis dans la maison, mais le fait simplement de me dire, alors à la maison du Seigneur, je suis déjà dans la joie. Déjà au niveau de la maison, je sais que je vais aller rencontrer Dieu. Oh mon Dieu, je sais que je vais aller rencontrer celui qui change les négatifs et les positifs. Je sais que je vais aller rencontrer celui qui essuie les larmes. Je sais que je vais rencontrer celui qui délivre. Déjà le fait de savoir, tu es déjà dans la joie. Amen. J'ai mis une expression en lingala, on dit « Baza déjà y'a qu'on sépé là ». Vous n'avez pas encore la chose, mais vous êtes déjà dans la joie. Bien-aimés, nous venons à l'église, mais nous ne connaissons pas Dieu de la même manière. C'est la raison pour laquelle nous ne nous attendons pas de la même manière de ce que Dieu peut accomplir. C'est mieux, c'est bien de connaître l'église, mais c'est mieux de connaître Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent les églises, mais ne connaissent pas Dieu. Donne-moi un amen bien. On va lire Genèse chapitre 11. Gloire au Seigneur. Alléluia. Genèse chapitre 11. Versets 26 jusqu'à 32 et Genèse chapitre 12, versets 1 jusqu'à 4. Allons-y. Genèse chapitre 11, versets 26 jusqu'à 32. Allons-y. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot, et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fils d'Haran, père de Milka et père de Jiska. Saraï était stérile et n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Abraham et fils de son fils, et Saraï, sa belle-femme, fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à Charan. Nous sommes au chapitre 13. Chapitre 12 d'abord, on n'a pas lu le chapitre 12. Allons-y.
L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Genèse 13, versets 7 à 8. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phériziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je t'ai pris des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes des frères. » Verset 9, s'il vous plaît. « Tous les pays n'étaient pas devant toi. Sépare-toi donc de moi. » Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Verset 1 à 6. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini et je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. » Genèse chapitre 22. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Ouais. Genèse chapitre 22. Nous lisons à partir du verset 15 jusqu'à 17. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham, Dieu des cieux, et dit, « Je te le jure moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » 18, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Amen. Gloire au Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Merci. Je prie Dieu que ce message soit le message de ta vie. Amen. Nous allons devoir écouter un grand message. C'est parmi mes messages phares. Je ne sais même pas pourquoi le pasteur a voulu que je prêche ça. Parce que ça, je ne prêche pas beaucoup, je garde. Quand il y a les Champions League de prédication, je fais ça. Amen. J'étais étonné, j'étais aux États-Unis, direct le pasteur lui-même a proposé le thème. J'ai dit, pasteur, à Zabilou, à Kati. Amen. Dans toutes les églises, je suis allé pour la toute première fois, c'est le message que j'ai toujours prêché, pour donner une image de ce que je peux apporter comme prédication. Amen. Je vais vous parler sur les quatre signes arithmétiques de la destinée. Quatre signes arithmétiques de la destinée. Amen. Tu as commencé à exister avant de vivre. Tu as commencé à exister dans le plan de Dieu. Le jour de ta naissance ne marque pas le début de ton existence. Non. Dieu t'avait déjà conçu au niveau de ses pensées. C'est la raison pour laquelle il a décrété ta naissance. Sans une conception au préalable au niveau de Dieu, ta naissance ne pouvait pas être décrétée. C'est la raison pour laquelle tu dois savoir tout ce que tu es répond à un objectif lié à ta destinée. Tes yeux, tes cheveux, ta façon de parler, ta taille, le pays dans lequel tu es né, toutes les faveurs, les opportunités que Dieu te donne, Dieu l'a prévu, Dieu l'a taillé en fonction de ta destinée. Amen.
vous devez savoir qu'il y a des attributs qui permettent à Dieu d'établir et de tailler ta destinée. C'est l'omniscience et l'omnipotence. Le fait que Dieu connaît tout et il est capable de tout, il est capable de destiner des hommes à des choses, à des réalités et à des desseins. Donne-moi un amen bien. Et quand on parle de la destinée, notez ça très bien. Pensez à la destination. Dieu est un Dieu de destinée parce qu'il destine des gens. Il a une destination qu'il pointe à l'horizon dans la vie de chacun d'entre nous. Et dans l'accomplissement de la destinée, Dieu emploie, utilise 4 signes tels que nous l'avons appris en mathématiques. Vous savez, quand on était encore des élèves, pour certains étudiants, nous avons appris 4 signes arithmétiques. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à me parler de ces 4 signes que nous avons appris alors qu'on était encore des élèves, pour certains continuer d'être? C'est encore quoi? Je savais que vous allez commencer par l'addition. L'addition, la soustraction, la multiplication et la... Et la division. Je bénis Dieu pour la personne qui a eu la révélation de ces 4 signes. Mais Dieu a commencé à utiliser ça avant que la révélation puisse arriver. Dans la destinée de chacun d'entre nous, Dieu utilise ces 4 signes. Dans l'accomplissement de la destinée, ou encore dans le processus de l'accomplissement de la destinée de chacun d'entre nous, Dieu utilise ces 4 signes. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans que tu vives et tu expérimentes l'emploi ou l'utilisation de ces 4 signes. Dans ta vie, tu dois remarquer qu'à un certain moment, Dieu est en train d'opérer la soustraction dans ma vie. À un autre moment, tu vas remarquer que Dieu sera en train d'opérer la division. À un autre moment, tu remarqueras que Dieu est en train d'opérer l'addition. Et enfin, tu dois aussi remarquer, parce que c'est le dernier signe qui va arriver, Dieu sera en train d'opérer la multiplication. Il a fait avec des personnes comme Jésus. Jésus a été soustrait du ciel. Dieu l'a additionné. Dieu l'a divisé. Et Dieu l'a multiplié. Il a fait avec des personnes comme Moïse. Il a fait avec des personnes comme Jephthé. Il y a tant de personnes dans la Bible, il y a tant de personnages dans la Bible qui ont, n'est-ce pas, expérimenté le Dieu des 4 signes. Ils ont expérimenté, ils ont vu Dieu employer ces 4 signes dans leur vie. Si Dieu l'a fait, c'est que c'est la façon avec laquelle Dieu opère. Dans les laboratoires de Dieu, il y a cette méthode, cette manière de faire pour que les gens expérimentent et vivent la destinée. Et j'ai choisi ce matin un personnage type pour nous permettre de voir au travers de cette personne comment Dieu a, n'est-ce pas, utilisé les 4 destinées. Cela sera pour nous comme un modèle, une référence, un prototype, un échantillon, enfin de voir la même chose s'opérer aussi avec nous. J'ai choisi Abraham. Donnez-moi un amen bien. Amen. Je rappelle à chacun d'entre vous qu'Abraham n'est pas la première personne que Dieu a créée. La première personne que Dieu a créée, c'est un homme, Adam. Mais Dieu, malgré qu'il a créé Adam, Dieu ne s'est jamais appelé le Dieu d'Adam. Mais Abraham a eu ce privilège d'être appelé le Dieu d'Abraham. Adam, la créature la plus parfaite, parce que moi je crois que peut-être qu'Adam a été créé avec des moustaches ou avec des barbes, parce qu'Adam a été créé parfait, a été créé martyr. Il s'est fait. Un jour, Adam a pris la décision de désobéir à Dieu. Quand Moïse est arrivé avec la loi, il a amené 10 commandements, mais Adam n'en avait qu'un seul commandement. Mais le seul commandement que Dieu lui avait donné, c'était de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Permis, sauf le fait de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et c'est la désobéissance qu'Adam a manifestée en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du mal. Et cela a amené la déchéance. Cela a amené la dégénérescence.
la déchéance, Adam a perdu la gloire que Dieu lui avait octroyée. Et depuis Adam, vous savez, son fils Caïn a tué son autre fils qui s'appelait Seth, qui s'appelait Abel. Et vous savez, tout, il y a eu un beau griot, il y a eu tohu-bohu, il y a eu désordre jusqu'à cette mauvaise génération de Noé où Dieu était obligé de détruire sa propre créature. Le fameux verset dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Je ne sais pas si vous imaginez un Dieu d'amour arriver à une telle conclusion selon laquelle il se repent d'avoir créé l'homme. Et Dieu était obligé d'envoyer le déluge, cette pluie, cette fameuse pluie qui s'est abattue sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Et vous savez, après le déluge, on pouvait même penser que l'humanité allait peut-être se repentir et trouver, n'est-ce pas, une autre façon de faire les choses, afin de se rapprocher de plus en plus de Dieu. Mais vous voyez, il y a, après le déluge, l'apparition d'un géant, Nimrod, qui a eu ce fameux projet de construire la tour de Babel. Oh, il y a eu l'unité, il y a eu une certaine complicité. Vous imaginez que toute la terre parlait un seul langage. Ils ont eu cette idée de vouloir créer, construire une tour qui allait toucher jusqu'à Dieu. Dieu était tellement étonné de voir comment l'homme pouvait, n'est-ce pas, opérer dans cet élan d'unité. Et Dieu aussi s'est réuni. Toutes les personnes de la divinité se sont réunies pour aller confondre la tour de Babel. Allons descendre et confondre-les. C'est après cette confusion, nous voyons l'humanité continuer toujours dans la perdition. Face à cette dépravation, face à cette déchéance morale et sociale, Dieu prendra la décision d'aller appeler un homme. Cet homme s'appelle Abraham. Abraham. À partir de lui, Dieu créera une lignée qui va conduire la race humaine vers le Messie. Vers le Messie. Abraham. Abraham, le père des croyants. Abraham, la personne qu'on retrouve dans tous les deux alliances, dans tous les deux testaments, à l'ancien et dans le nouveau. C'est lui-même qui introduit la nouvelle alliance, parce que dans le livre de Matthieu, au chapitre 1er, nous voyons la généalogie de Jésus, fils de David et fils d'Abraham. Chez les Juifs, Abraham est considéré comme la personne la plus spirituelle, la personne la plus élevée chez les Juifs. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi les personnages d'Abraham pour démontrer comment Dieu a utilisé les quatre signes dans sa vie afin que son histoire nous serve de modèle et d'exemple. Abraham. Si vous ne faites pas attention, vous allez penser que la vie d'Abraham commence dans Genèse 12. Et d'ailleurs, c'est ce que beaucoup de prédicateurs semblent nous donner comme menu lorsqu'il parle d'Abraham. Il y a un arrière-fond pour comprendre l'appel des chapitres d'Abraham au chapitre 12. Il faut préalablement commencer par le titre du chapitre 11. Au chapitre 11, on nous parle du père d'Abraham, dont le nom était Terach. Terach avait 3 enfants. Terach avait Nachor, et Terach avait Haran. D'ailleurs, Haran, c'est lui le père de Lot. C'est comme ça la plupart des cas, on appelle Lot neveu d'Abraham. Mais lorsque vous étudiez la famille de Terach, dont Abraham est l'aîné, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains signes qui nous démontrent que cette famille était sous une certaine malédiction. Je vais donner quelques signes et vous allez comprendre. Le premier signe, c'est que Haran, le père de Lot, était mort alors que Terach était vivant. Vous savez,
avec moi. Il est destiné aux parents, aux enfants d'enterrer les parents. Et non le contraire. Mais vous voyez, Terach était vivant, mais il a enterré son fils. Ça, c'était déjà un signe d'une certaine malédiction. C'était le signe de la présence d'une certaine malédiction. Vous allez encore vous rendre compte que Terach, un père qui devait, n'est-ce pas, être un modèle pour ses enfants, mais c'était un père, un leader qui n'atteignait pas les objectifs. Le projet d'aller en Canaan, ce n'était pas le projet d'Abraham. Le projet d'aller à Canaan, c'était le projet de Terach. Il a quitté Ir, là où il s'est retrouvé. Et il est parti en Charan parce qu'il voulait se rendre en Canaan. Mais arrivé à Charan, nous avons remarqué que Terach est mort. Il n'a pas atteint son objectif. Ne pas atteindre les objectifs peuvent être aussi des signes de malédiction. Vous avez des projets, vous avez des choses à faire. À tout moment que vous ne les atteignez pas, ça peut aussi être expliqué par une certaine malédiction. Je vais revenir un peu avec Aaron. Il y a une phrase quand on lisait les textes tout à l'heure qui m'a fortement touché. On dit, Aaron est mort au pays de sa naissance. Et ça, c'est aussi un signe de malédiction. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils sont nés quelque part, ils sont morts là-bas. Ils sont nés quelque part, ils sont morts là-bas. Attention, notre Dieu est un Dieu de mouvement. Il peut nous déplacer d'un lieu A vers un lieu B, vers un lieu C. Le mouvement fait partie aussi de la bénédiction divine. Et la plupart des cas, quand Dieu bénit les gens, il les amène à un mouvement. Et ça, c'est quelque chose de très important. Mais Aaron est mort au pays de sa naissance. Troisième chose que j'ai remarqué dans cette famille, c'est que Abraham, qui était l'aîné, n'est-ce pas, dans cette famille de Terach, a épousé Saraï. Mais jusqu'à l'âge de 75 ans, Abraham n'avait pas d'enfant. Je sais pas si vous voyez. Vous savez cette histoire de stérilité ou de manque d'enfant dans un foyer. On peut accepter, tolérer 30 ans, 40 ans. Mais lorsque vous atteignez 60 ans, 70 ans, ça commence à devenir un peu très dangereux. Et Abraham, jusqu'à 75 ans, Abraham n'avait pas d'enfant. Et ça, ça peut s'expliquer aussi par un problème de malédiction. Est-ce que vous savez que dans toute la Bible, depuis Genèse 1 jusqu'à Genèse 11, on ne parle pas de la stérilité. La première personne à qui on a enseigné, mentionné qu'elle était stérile, c'est seulement Sarah. C'est seulement Sarah. On ne parle pas de la stérilité. La première personne pour qui la Bible parle de la stérilité, c'est Sarah. Alléluia. Et vous devez le savoir que les premières bénédictions que Dieu a données à l'homme dans Genèse chapitre 1, verset 28, c'est soyez fécond. Donc le manque d'avoir d'enfants, c'est aussi un signe de malédiction. Nous remarquons aussi que quand on cite même les noms d'Abraham, de Terach, de Nachor et d'Aaron dans Genèse 11, c'est un nom ordinaire. C'est un nom comme tous les autres noms. C'est un nom ordinaire, ce n'est pas un nom différent des autres noms. C'est un nom tout à fait ordinaire. C'est la raison pour laquelle quand Abraham rencontrera Dieu, Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand. Parce que le nom était ordinaire et Dieu voulait en sorte que la mention de son nom soit grande. Et cela a été un signe aussi de bénédiction. Donc, vous avez remarqué que dans cette famille de Terach, bien sûr qu'il vivait, mais il y avait la présence de la malédiction. Je vous ai cité à peu près 5 signes. Alors, j'ai essayé de questionner ma Bible, d'auditer ma Bible. Qu'est-ce qui explique que Terach vive dans une atmosphère de malédiction, que Terach ainsi que ses enfants vivent dans un climat de malédiction. C'est alors que la Bible m'a conduit dans Josué chapitre 24. Josué chapitre 24, verset 2, où Josué, n'est-ce pas, était en train d'exhorter aux enfants d'Israël en leur disant, souvenez-vous de nos pères, Terach, qui habitaient de l'autre côté de l'Euphrate. Et qui servait d'autres dieux. Souvenez-vous de Terach, nos pères Terach, qui habitaient
de l'autre côté de l'Euphrate et qui servaient d'autres dieux. Cela prouve à suffisance que Terach était un occultiste. Terach était un idolâtre. Comme à l'époque, les pères influençaient leurs enfants aussi spirituellement, cela nous convainc avec précision qu'Abraham était aussi un occultiste. Abraham était un idolâtre. Abraham servait aussi d'autres dieux. Abraham servait les dieux de son père. On ne dit pas que Terach connaissait Dieu. On dit que Terach servait d'autres dieux. Donc, Terach était un prêtre occultiste. Évidemment, son fils était aussi prêtre occultiste. Vous comprenez par là que le grand Abraham que nous connaissons dans la Bible n'était pas juif. Je répète, que le grand Abraham que nous connaissons dans la Bible n'était pas juif. C'était un idolâtre. C'était, en termes clairs, un magicien. Et toute cette malédiction que nous voyons dans sa famille est due au fait que la magie de son père, contaminée, influencée par ses enfants, a créé une certaine malédiction aussi dans la famille. Amen. Mais j'aime la fin du chapitre 11. On nous dit, fin du chapitre 11, et particulièrement au 32e verset, que Terach était mort. La personne qui a amené l'adoration, la personne qui a amené des faux dieux, était mort. Et quand Terach est mort, du coup, Dieu a changé de chapitre pour commencer quelque chose de nouveau. Vous connaissez qu'il y a dans la Bible certains chapitres qui ont plusieurs versets, 45, 62, mais celui du chapitre 11 n'avait que 32. Donc c'était possible qu'on continue aussi avec d'autres versets. Mais Dieu a dit non, on ne va pas seulement ajouter des versets dans le chapitre 11, mais on va carrément changer de chapitre. Et quand on doit changer de chapitre, c'est qu'on doit aussi changer de contenu. C'est comme ça que le chapitre 12 commence par un nouveau contenu. L'Éternel Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un que Terach dans ta famille doit mourir. Pour que certaines choses changent dans ta vie, il faut que Terach puisse mourir. Que la cause de la malédiction dans ta famille, la cause des mauvaises choses dans ta vie doit mourir. Et je suis venu en ce jour du mois d'octobre pour t'informer que d'ici peu de temps, tu apprendras la mort de Terach. Parce que tu dois commencer un autre chapitre dans ta vie. Tu ne dois pas continuer à souffrir, tu ne dois pas continuer à errer, tu ne dois pas continuer à te lamenter, tu ne dois pas continuer à tourner sur place. Chaque chose a son temps. Il y a un temps où Dieu tolère, mais il y a un temps où Dieu dit fini. Il y a un temps où Dieu tolère, mais il y a un temps où Dieu dit fini. Et je dis à une personne ici que Terach doit mourir. Terach doit mourir. Terach doit mourir parce que d'autres choses doivent arriver dans ta vie. Terach doit mourir parce que la gloire de Dieu doit se manifester dans ta vie. Terach doit mourir parce que ta vie, tu ne dois pas continuer à vivre telle que tu vis aujourd'hui. Terach doit mourir parce que toi aussi tu as droit à des enfants. Terach doit mourir parce que toi aussi tu as droit à la malédiction. Terach doit mourir parce qu'il ne permettait pas un environnement qui permettait à Abraham d'écouter Dieu. Dieu est puissant.
mais Dieu, on l'écoute dans certains environnements. Dieu, on l'écoute dans une certaine atmosphère. Et je suis en train de lever ma main comme homme de Dieu. Tout celui qui te crée une atmosphère, un environnement qui ne permet pas à Dieu de te parler, tout celui qui te crée un environnement ou une atmosphère qui ne te permet pas d'évoluer, tout celui qui te crée un environnement, une atmosphère qui ne permet pas d'évoluer, pendant que je parle là, je déclare sa mort. Je déclare sa mort. Je déclare sa mort. Ta vie doit évoluer. Si l'âge évolue, c'est que l'homme doit évoluer. Tu étais enfant, tu étais bébé, tu es devenu enfant. Aujourd'hui, tu as des barbes, aujourd'hui, tu as des cheveux. C'est que ton corps subit un processus d'évolution. Il faut aussi que ta vie subisse le processus d'évolution. Il faut aussi que tout ce que tu fais puisse subir le processus d'évolution. Il faut aussi que ton commerce puisse subir le processus d'évolution. Il faut aussi que ton mariage subisse le processus d'évolution. Il faut aussi que dans tout ce que tu entreprends, subisse le processus d'évolution. C'est la raison pour laquelle nous ne sortirons pas dimanche et dimanche en ce lieu sans la mort de Terach. Terach doit mourir pour que tu entendes Dieu. Terach doit mourir pour que Dieu tourne le chapitre de ta vie. Terach doit mourir pour que tu inaugures d'autres choses dans ta vie. Terach doit mourir pour que Dieu te donne des promesses par rapport aussi à ta propre vie. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Terach n'arrivera pas l'année prochaine. Ta vie a été embrouillée à cause de la présence de Terach. 2021 a été embrouillée à cause de la présence de Terach. 2020 a été embrouillée à cause de la présence de Terach. 2019 a été embrouillée à cause de la présence de Terach. Mais Dieu a dit, tu ne finiras pas 2021 avec la présence de Terach. Je ne sais pas là où il se trouve, mais je suis venu décréter la mort de Terach. Parce que d'autres choses doivent commencer dans ta vie. Abraham ne savait pas la cause de tout ce qui est arrivé, mais Dieu le savait. Amen. C'est comme ça que quand Dieu a retiré Terach, Dieu a parlé à Abraham. Il y a des moments où Dieu peut te parler, mais quand tu es dans certaines atmosphères, tu ne sais pas discerner la voix de Dieu. Il y a des moments où Dieu te dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, fais ceci, fais cela. Mais tu es tellement dans certains environnements de la distraction. Tu es tellement dans certains environnements de l'occultisme. Tu es tellement dans certains environnements de divertissement. Tu ne sais pas entendre ce que Dieu te dit. Tu ne sais pas comprendre que Dieu veut shifter ta vie. Tu ne sais pas comprendre que Dieu veut amener ta vie dans une autre dimension. Après un certain moment, Dieu prend seulement la décision de tuer celui qui cause cette atmosphère-là. Attention avec un enfant de la destinée. Quand tu l'embrouilles, Dieu peut te retirer de sa vie. Quand tu l'embrouilles, Dieu peut même arriver même à te tuer. Quand tu l'embrouilles, Dieu peut même arriver même à causer quelque chose de mal dans ta vie. Terach doit mourir. Quand Terach est mort, pouf, Dieu n'a pas continué le chapitre, Dieu a changé le chapitre. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que je parle là, je vois un chapitre en train de tourner. Chapitre de pleurs est en train de tourner. Chapitre de faire le surplace est en train de tourner. Chapitre de déception est en train de tourner. Chapitre des échecs est en train de tourner. Chapitre de faillite est en train de tourner. Chapitre où toutes tes relations doivent toujours être détruites est en train de tourner. Chapitre de petits, de bénéfices médiocres est en train de tourner. Chapitre où tu perds des personnes importantes dans ta vie est en train de tourner. Dieu est en train d'écrire un nouveau chapitre dans ta vie. Chapitre de paix, chapitre de joie, chapitre de bonnes relations, chapitre de mariage, chapitre des enfants, chapitre de restauration, chapitre de bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ce que je suis en train de dire? Ta vie ressemble à un livre. Et dans un livre, il y a plusieurs chapitres. Et à chaque moment qu'on veut passer, on veut changer de contenu, on change de chapitre. Je suis venu dire à une personne ici, Dieu est en train de changer le chapitre de ta vie parce que le contenu aussi va changer. Le contenu aussi va changer. Le contenu de la souffrance va changer. Le contenu de la déception va changer. Le contenu de pleurer chaque jour va changer. Le contenu où tu fais toujours des avortements, ça va changer. Le contenu où toi, ta vie ne va pas de là-bas, ça va changer. Le contenu où tu es toujours embrouillé par des gens, ça va changer. Dieu est en train d'écrire un autre chapitre dans ta vie. Pendant que je parle comme ça, il y a quelqu'un qui me dit, docteur Louva, tu es en train de me parler. Et quand tu me donnes un amen, je prie que ce chapitre soit tourné maintenant.
Quand tu me donnes un amen, je prie que ce chapitre soit tourné maintenant. Qu'on n'atteigne même pas demain. Qu'on n'atteigne même pas le lendemain. Qu'on ne finisse même pas le mois d'octobre. Qu'on n'atteigne même pas le mois de novembre. Qu'on n'atteigne même pas le mois de décembre. Que Dieu puisse tourner ce chapitre dans ta vie afin que la gloire de Dieu puisse arriver aussi dans tout ce que tu as. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Gloire au Seigneur. Quand Terach est mort, Dieu a parlé à Abraham. Tu entendras Dieu d'ici quelques jours. Amen. Tu entendras Dieu d'ici quelques jours. Amen. Tu écouteras Dieu d'ici quelques jours. Mon Dieu, Rochabraya Santa. L'éternel Dieu dit à Abraham, vous allez vous rendre compte, depuis qu'Abraham est né, Abraham, Dieu ne lui avait jamais parlé. Dieu est tout puissant, mais ne lui avait jamais parlé. Dieu est capable de tout, mais n'avait jamais parlé à Abraham. C'est après la mort de Terach que Dieu arrive à parler à Abraham. L'éternel Dieu dit à Abraham, l'éternel Dieu dit à Abraham, quand Dieu change le chapitre de la vie d'une personne, il commence à lui parler. Donc chaque changement de chapitre est précédé par une parole de Dieu. La parole de Dieu est l'élément moteur qui signale à une personne que le chapitre de sa vie est en train de changer. La parole de Dieu est l'élément moteur qui signale à une personne que Dieu est en train de lui amener dans une autre dimension. La parole de Dieu est l'élément moteur qui amène quelqu'un à comprendre que Dieu est en train d'amener sa vie à shifter. Donne-moi un amen et bien. L'éternel Dieu dit à Abraham. L'éternel Dieu dit à Abraham. Abraham n'avait jamais entendu Dieu. Abraham ne connaissait même pas ce que Dieu était. Abraham était habitué à écouter les idoles, à servir les idoles, à entretenir des relations avec des idoles. Mais les jours que Dieu lui a parlé, il a su que c'était Dieu qui lui parlait. Il a su que c'était Dieu qui lui parlait. Bien-aimé, Dieu est tellement puissant. Quand il veut te parler, tu comprendras que c'est lui qui te parle. Même si tu es un incrédule, même si tu es dans un magicien, même si tu es dans une boîte de nuit, tu sauras que là c'est Dieu qui est en train de me parler. Même si tu prends la bière, tu comprendras que là c'est Dieu qui est en train de me parler. Même si tu es en train de m'adanser la musique mondaine, si Dieu veut te parler, tu sauras que c'est lui qui est en train de te parler. Dieu est terrible, il peut te parler dans un hôtel. Dieu est terrible, il peut te parler dans une boîte de nuit. Dieu est terrible, il peut te parler même si tu es sous. Il frôle, mais Dieu te parle et tu comprends que là, c'est Dieu qui est en train de me parler. Abraham était occultiste toute sa vie, il n'a fait que l'occultisme. Mais le jour que Dieu lui a parlé, il a su. Ça, c'est pas un homme qui me parle. Ça, c'est pas ma femme qui me parle. Ça, c'est pas mes serviteurs qui me parlent. Là, ce n'est pas l'autre qui me parle, mais là, c'est Dieu qui me parle. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Bien-aimé, quand Dieu ne te parle pas, c'est dangereux. Mais quand Dieu commence à te parler, commence déjà à être dans la joie. Parce que la terre, le ciel, tout ce que vous voyez n'a pas commencé à exister comme ça. Ça a commencé à exister par la parole. Donne-moi un amen bien. Il n'y avait pas encore la lumière, il n'y avait pas encore le soleil, il n'y avait pas encore la ligne. Il fallait que la bouche de Dieu parle pour que ces choses arrivent. Oh mon Dieu, la parole, c'est le mode opératoire de Dieu pour créer de nouvelles choses. La parole, c'est le mode opératoire de Dieu pour changer des choses dans la vie des hommes. C'est comme ça la Bible dit, au commencement n'était pas la beauté, au commencement n'était pas l'argent, au commencement n'était pas les richesses, au commencement n'était pas les diplômes, au commencement ce n'était pas les bijoux, mais au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand tu commences avec la parole, la gloire sera ta finition. Quand tu commences avec la parole, tu finiras dans la gloire. Tu commences avec la parole, tu finiras dans la richesse. Tu commences avec la parole, tu finiras dans les mariages. Tu commences avec la parole, tu finiras millionnaire. Tu commences avec la parole, tu finiras au ciel. Parce que la parole ne se trompe jamais. Pierre était un pécheur chevronné, un pécheur professionnel. Et il a su quand est-ce qu'il fallait pêcher. Il est allé pêcher la nuit. Et vous savez, quand vous pêchez la nuit, les poissons ne savent pas voir votre ombre pour fuir. C'est que le moment était opportun. C'est que le moment était bon. Certaines personnes échouent alors qu'ils ont bien saisi l'opportunité. On peut échouer même si on a bien saisi.
éternité. On peut échouer, même si on est professionnel. Mais un matin, Jésus arrive. Il dit à Pierre, tu as pêché toute la nuit, tu n'as rien trouvé. Mais jette le filet à gauche. Pierre, quand il a regardé, c'est petit ici, je suis plus âgé que lui. Il dit que c'est petit ici. Parmi les gens qui viennent pêcher, je ne l'ai jamais vu. Donc moi, j'ai beaucoup d'expérience que lui. Mais sur ta parole, mon Dieu, on dirait que je parle à quelqu'un. Sur ta parole, je jetterai le filet. Parce que Jésus est petit, mais la parole qui sort de sa bouche est plus vieille que Pierre. On dirait que je parle à quelqu'un. On dirait que je parle à quelqu'un. Je dis que Jésus est petit, mais la parole qui sort de sa bouche est plus vieille que Pierre. Jésus est petit, mais la parole qui sort de sa bouche est plus ancienne que Pierre. Jésus n'est pas parmi le comité des pécheurs, mais la parole qui sort de sa bouche réussit là où les pécheurs professionnels ne savent réussir. Sur ta parole, je jetterai le filet. Et il a jeté le filet, le même endroit où il n'avait pas réussi, mais avec la parole, il est sorti avec une barque remplie de poissons. Tu finiras cette année avec des témoignages parce que la parole a été libérée. Tu finiras cette année avec le mariage parce que la parole a été libérée. On dirait que je parle à quelqu'un ici ce matin. Tu finiras cette année dans la délivrance parce que la parole a été libérée. Tu finiras cette année dans la joie parce que la parole a été libérée. Donne-moi un amen bien. Les poissons ont fui Pierre. Mais les poissons sont venus se mobiliser là où il y avait la parole. Pourquoi? Parce que les poissons ont compris que la parole les a créés. Et ils devaient se mobiliser pour saluer leur créateur. Quand tu as la parole, tout ce que Dieu a créé va venir se mobiliser là où tu es. Mon Dieu, je ne connais pas ton âge, mais tu as la parole. Je ne connais pas combien d'années tu as fait ici, mais tu as la parole. Je ne connais pas beaucoup de gens qui t'ont abandonné, mais tu as la parole. Quand tu as la parole, tu as la majorité. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. C'est comme ça que la Bible dit dans Psaume 107, verset 20. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Il n'a pas envoyé un ange, il n'a pas envoyé un prophète, il n'a pas envoyé l'argent, il n'a pas envoyé un code de Sir Western ou Simon El Grand. Il dit, il envoya sa parole. Et sa parole guérit. Celui qui a la parole est plus que celui qui a un code de Western. Celui qui a la parole est plus que celui qui a un code de MoneyGram. Celui qui a la parole est plus que celui qui a un code de RIA. Celui qui a la parole a la vraie richesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la parole dans cette église ici? Je suis étonné. Je disais que je suis étonné. Abraham, un occultiste, on ne voit pas là où on l'a imposé les mains. On ne voit pas là où on l'a délivré. On ne voit pas là où on l'a coupé les liens. Le fait seulement d'écouter la parole, ça changeait la vie d'Abraham. Quand tu as la parole, tu as la vraie délivrance. Quand tu as la parole, tu as la vraie délivrance. Quand tu as la parole, tu as la vraie délivrance. C'est comme ça la Bible dit dans Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité. On dirait que je parle à quelqu'un ici. On dirait que je parle. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Ils sont purifiés par la parole que je leur ai donnée. Quand tu as la parole, tu es réellement libre. Tu es réellement libéré. Tu es réellement délivré. Donne-moi un amen. Dites avec moi, je suis délivré par la parole. Au nom de Jésus, je suis délivré par la parole. Il y a quelque chose qui me choque. Il y a quelque chose qui me choque. Dieu est Alpha. Il est le premier. Mais quand sa parole est libérée, lui-même devient le dernier. Parce que la Bible dit dans Jérémie chapitre 1 verset 12, je suis derrière. Je suis derrière. Je suis derrière. Comment toi tu es premier mais tu es derrière la parole? C'est comme ça j'ai l'habitude de dire, quand tu as la parole, même Dieu est derrière toi. Même si les hommes ne sont pas derrière toi, mais Dieu est derrière toi. Même si les membres de la famille ne sont pas derrière toi, mais Dieu est derrière toi. Même si ton fiancé n'est pas derrière toi, mais Dieu est derrière toi. Même si l'argent n'est pas derrière toi, mais Dieu est derrière toi. Même si la beauté n'est pas derrière toi, mais Dieu.
Dieu est derrière toi. Tout ça a changé simplement parce qu'Abraham a écouté Dieu. Juste ça. C'est comme ça quand Jésus voulait venir sur la terre, il n'était pas venu comme un ange. Alors que l'ange est puissant, mais il est venu comme la parole. Jésus est venu comme la parole. La parole s'est faite chair. Ce n'est pas un ange qui s'est fait chair. Ce n'est même pas Dieu qui s'est fait chair. C'est la parole qui s'est fait chair. C'est la parole qui s'est fait chair. Vous n'avez jamais remarqué à la croix, on a arrêté Jésus. On l'a placé où? À la croix. Les mains bloquées, liées, pour qu'il n'agisse pas. Les pieds bloqués, pour qu'il ne marche pas. Mais on ne pouvait pas fermer sa bouche. J'ai dit qu'on ne pouvait pas fermer sa bouche. Et du fait qu'on ne pouvait pas fermer sa bouche, il a libéré la parole qui a sauvé l'humanité. Tout est accompli. J'ai dit à quelqu'un, tout est accompli. Ah là 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 là. Jésus voulait dire que mes mains sont liées, mais tout est accompli au travers de la parole. Ah, les pieds sont liés, mais tout est accompli au travers de la parole. C'est la raison pour laquelle quand tu connais Dieu, tu parles bien de ta vie. Tu n'as pas l'argent, mais tu dis que tu seras millionnaire. Tu n'es pas marié, mais tu dis que tu auras des jumeaux et tu auras de beaux enfants. Donne-moi un amen. Toi, tu ne mourras pas, tu vivras. Et cette année, personne ne mourra dans ta famille. Jusqu'à la fin de l'année, il n'y aura pas d'accident dans ta vie. Il n'y aura pas d'accident dans ta vie. Toi, tu ne mourras pas, tu vivras. Parce que la parole le dit. La parole le dit. La parole le dit. La parole le dit. J'ai dit la parole le dit. J'ai dit que la parole le dit. Oh Dieu. Le centenaire romain a compris. Il a dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. La personne déjà qui n'était pas digne. Mais il dit seulement un mot. C'est que la parole agit même là où la personne n'est pas sanctifiée. Parce que c'est la parole qui sanctifie. Tout a commencé quand Dieu a parlé avec Abraham. Tous les grands Abraham, toutes les choses là que vous voyez avec Abraham, ça a commencé quand Dieu lui a parlé. Ça a commencé quand Dieu lui a parlé. Quand Dieu t'a parlé, sois calme. Ne sois pas agité. Quand Dieu t'a parlé, toi, sois seulement calme. Ne sois pas agité. Il y a quelqu'un sur qui Dieu a parlé. Cette Marie ne conduira pas à la mort, mais Dieu sera glorifié par elle. Il avait la parole, mais la maladie s'est accentuée. Il avait la parole, mais un jour il est mort. Il avait la parole, mais un jour on est allé l'enterrer. Il avait la parole, mais un jour son corps a commencé à se décomposer. Quand Jésus est venu, il n'a pas fait autre chose. Il n'a rappelé que la parole qu'il avait donnée. Il dit à Marthe, n'étais-je pas, pas prié, dit, n'étais-je pas, n'étais-je pas. Même Jésus s'est accroché seulement à la parole qu'il avait dit. La personne est décomposée. Son corps commence à libérer la pianterre. Mais Jésus s'accroche seulement à la parole qu'il avait dit. Ce matin, on va rappeler à Dieu ce qu'il avait dit. Même si tu te sens décomposé, ton corps n'a pas envie de prier, mais rappelle simplement à Dieu ce qu'il avait dit. Jésus avait tellement la parole. Au lieu d'aller dans la maison de Marthe et de Marie, il est directement parti au cimetière. Amen. Et les gens n'ont même pas compris ça. Ils ont vu Jésus pleurer. Écoutez les incrédules. Ah, voici comment il aimait. Jésus avait déjà dit avant de venir qu'il allait pour les ressusciter. Alors pourquoi il devait pleurer? Il a pleuré parce qu'ils étaient incrédules. Et cela a été le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Ça doit être court parce que Dieu ne passe pas son temps à pleurer. Passe pas son temps à pleurer. Au ciel, Jean a commencé à pleurer. L'archange lui a dit attention. Et si on ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu pour ouvrir les livres et de rompre les têtes.
C'est pourquoi finis les pleurs dans ta vie aujourd'hui. Toi, tu ne me donnes pas un amen bien. Hein? Je vais changer de côté. Finis les pleurs dans ta vie aujourd'hui. Finis les pleurs dans ton mariage aujourd'hui. Finis les pleurs dans tes entreprises aujourd'hui. Que Dieu te donne le sourire pendant que je parle. Que Dieu te redonne la joie pendant que je parle. Que Dieu te donne la restauration pendant que je parle. Que Dieu te donne la restauration. Amen. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Amen. Quand tu connais la parole, l'exaucement est obligatoire. Amen. Quand tu pries en fonction de ce que Dieu t'a dit, tu sais qu'il va exaucer. Il dit, je ne prie même pas pour moi, pour la foule qui m'entoure. Il y a certaines choses que Dieu fait, ce n'est pas pour toi, mais pour les incrédules qui t'entourent. Je prie que les gens qui t'haïssent puissent voir la main de Dieu. Je prie que les gens qui te minimisent puissent voir la main de Dieu. Les gens qui voient ton âge, ils disent que Akoba Lakate, ils doivent voir la main de Dieu. Les gens qui te regardent, ils commencent à compter depuis que tu es marié, on ne voit pas un enfant. Que ces gens-là voient comment toi tu vas donner des jumeaux. Amen. L'éternel Dieu dit à Abraham. J'aime ça. L'éternel Dieu dit à Abraham. Quand Dieu veut parler, il parle pour que l'homme comprenne que c'est lui qui parle. Que ce n'est pas ton voisin, mais c'est lui qui parle. Ce n'est pas ta femme, mais c'est lui qui parle. Ce n'est pas ton père, c'est lui qui parle. Sors de ta patrie, la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Les premiers signes que Dieu utilise lorsqu'il rencontre Abraham, la soustraction. C'est lui qui dit qu'il a rencontré Dieu et pour qui Dieu n'a pas encore soustrait sa vie, il ne l'a pas rencontré. Quand tu rencontres Dieu, la première chose que Dieu fait, il te soustrait. Et il soustrait certaines choses de ta vie. Nous sommes dans l'époque des chrétiens BCBG. Ils servent Dieu sans vivre une soustraction. Ça n'existe pas. La vie chrétienne commence par une soustraction. La marche avec Dieu commence par une soustraction. Ah, les gens des fois nous voient, tu quittes l'Europe, tu vas aux États-Unis, tu prêches, tu pars, tu prêches. Mais ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé par la soustraction. La conviction réelle et authentique commence par la soustraction. Par la soustraction. Même Jésus, le Fils de Dieu, pour qu'il puisse avoir le nom qui est au-dessus de tout nom, Dieu devait le soustraire du ciel. Quand les anges regardent, non, il n'est pas là, il est descendu sur la terre. Dieu l'a soustrait. Tu ne peux pas aller de l'avant avec Dieu. Tu ne peux pas vivre certaines gloires avec Dieu sans que Dieu puisse te soustraire. Abraham l'a vécu. Jésus l'a vécu. Gédéon l'a vécu. David l'a vécu. Moïse l'a vécu. Chaque disciple de Jésus l'a vécu. Toutes les pierres que vous voyez avec des grands noms, tout ça, au départ c'était suis-moi et je ferai de toi. Quand il dit suis-moi, c'est que je t'ai soustrait. Je t'ai soustrait de la pensée de tout le monde. Je t'ai soustrait des habitudes de tout le monde. Bien-aimé, vivre une vie chrétienne et ne pas penser à la soustraction, c'est une perte de temps. Pour marcher avec Dieu, Dieu commence par la soustraction. Il doit te soustraire de certaines choses, de certaines habitudes, de certaines peurs, de certains milliers. Nous, on va chasser personne à l'église. Mais nous disons simplement que le fait là de faire les doubles vies, c'est quelque chose qui bloque ta propre vie. Il y a tellement beaucoup de gens sur cette terre, mais Dieu te donne la grâce d'écouter la parole. Dieu te donne la grâce de venir dans une telle église. Dieu te donne la grâce d'aimer la Bible. Dieu ne peut jamais libérer de tel genre d'investissement dans ta vie s'il n'a pas un grand projet avec toi. Et à tout moment que tu n'acceptes pas la soustraction, c'est toi qui se bloques. C'est quoi qui se bloque? C'est toi qui se bloque. Écoutez, j'aime un verset dans Ésaïe 59, verset 2. Ce n'est pas que la main de l'Éternel est courte, mais ce sont vos péchés qui créent un mur. Amen. Quand toi tu pèches, Dieu ne parle pas.
Il y a des gens, et souvent vous entendez certains prédicateurs dire, tes péchés chassent Dieu, le péché ne peut pas chasser Dieu. Dieu est tout puissant, même vis-à-vis du péché. Le péché ne chasse pas Dieu. Le péché crée maintenant un mur. C'est comme ça que Dieu est là, mais toi tu ne sais pas le voir. C'est comme ça que quand tu te répands, ce n'est pas que Dieu vient. Non, il est toujours là où tu l'avais laissé. Mais c'est le mur là qui est maintenant ébranlé. Tu as la possibilité de voir Dieu. C'est pourquoi craindre Dieu, c'est pour ton avantage. Se retirer de certaines choses, c'est pour ton avantage. Pasteur peut ne pas te voir. Les amis peuvent ne pas te voir. Mais Dieu te voit. Parce que nous ne sommes pas ici par la volonté d'un homme. Tu ne te déplaces pas de ta maison pour venir ici par la volonté d'un homme. C'est Dieu qui t'amène ici. Même si hier tu étais à l'hôtel, même si hier tu étais dans une boîte de nuit, même si hier tu étais dans les péchés, mais c'est Dieu qui t'a amené ici. Et Dieu ne t'amène pas ici pour rien. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Le premier signe, c'est la soustraction. Ça fait mal. Mais Dieu doit te soustraire. Ça fait mal. Dieu doit te soustraire. Je me pose toujours la question, si je n'avais pas accepté la soustraction, est-ce que j'allais devenir ce que je suis aujourd'hui? Peut-être que j'allais mourir depuis très longtemps. Il y a certaines personnes qui ont la destinée de vivre seulement 30 ans. Ils ont une destinée démoniaque. Le diable a dit, lui là, il ne peut pas atteindre 35 ans. Parce que je verrai une fille avec le sida, va le tuer. Je viendrai avec un cancer, je vais le tuer. Et Dieu connaissant cela, c'est la raison pour laquelle il t'amène à l'église. Il t'amène à l'église, après il te parle de la soustraction. Écoutez-moi. Dieu ne peut pas te soustraire sans te donner quelque chose de mieux. Il te demande de lui donner ta petite vie pour que lui te donne l'éternité. Ta petite vie là de 40 ans, 50 ans, 60 ans, 80 ans. Mais lui vient te donner l'éternité. Premier signe, soustraction. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, la maison de ton père. Pourquoi? C'est là où c'était là où on exerçait la magie. C'est comme ça que tu dois quitter là-bas. Même les grands Jésus, pour prier pour certains malades, ils devaient les faire sortir hors de la ville. Il y a certains endroits qui ne te permettent pas de te connecter à Dieu. Vous savez, même en termes de réseau, ce n'est pas partout où les réseaux fonctionnent. Il y a des endroits où, quand tu es là, ça ne te permet pas de te connecter à certains réseaux. C'est comme ça que Dieu dit, sors. Sors de là. Sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Dans le pays où je te montrerai. Écoutez, Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Mais ça viendra si tu sors. Je rendrai ton nom grand. Mais ça viendra si tu sors. Je te bénirai. Mais ça viendra si tu sors. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Ça viendra si tu sors. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Ça viendra si tu sors. Oh, je suis un peu béni. Non, ça, ce n'est pas des bénédictions. Ce sont des miettes. Avec la femme cananéenne, Jésus a commencé à nous expliquer ce qu'on appelle les pains et les miettes. Les quelques bénédictions que tu as là, pendant que tu ne sors pas encore, ce ne sont pas des bénédictions, ce sont des miettes. Et si déjà, avec cette vie-là où un pied dedans, un pied dedans, hein? Si déjà, avec cette vie où tu es à l'église, mais il y a encore d'autres choses, dans, hein? Dieu te donne ce qu'il te donne là. C'est que si tu te concentres totalement à Dieu, tu vas étonner le monde. Tu vas exploser. Donne-moi un amen bien. Tu vas exploser. Premier signe. Soustraction. Sors d'abord. Et Abraham, au verset 4, il est sorti. Quand il est sorti, il s'est rendu compte que les années passent, il ne devient pas une grande nation. L'enfant dont Dieu lui avait promis n'arrive pas. Il s'est dit, non, 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 non. Je dois revoir les termes de l'appel de Dieu.
Quand il est rentré maintenant dans ce que Dieu lui a dit, il a compris que Dieu ne lui avait pas dit de sortir avec Lot. Abraham a manifesté des sentiments. Parce que Lot était orphelin. Parce que Lot était son neveu. Il est sorti avec Lot. Et cela a bloqué le cheminement du processus de Dieu dans sa vie. Lui-même a dit, il est temps pour que je puisse vivre ce que Dieu m'avait promis, que je voie les termes de l'appel. Dieu ne m'avait pas demandé de sortir avec Lot. Il a appelé Lot. Il est temps de te séparer avec moi. Si tu vas à gauche, moi j'irai à gauche, droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. L'environnement ici, ce n'est pas un environnement propice parce que trop de querelles. L'environnement ici, ce n'est pas un environnement propice. Trop de discussions. Vous lisez très bien la Bible depuis Genèse 12 jusqu'avant qu'Abraham se sépare avec l'autre. Dieu ne parle plus à Abraham. La présence de l'autre créait une atmosphère qui ne permettait pas à Dieu de parler à Abraham. Quand Dieu ne te parle pas, ça devient trop dangereux si tu es enfant de Dieu. Alors il était temps qu'Abraham puisse se séparer avec Lot. Lot a cherché, a trouvé mieux d'aller sur la plaine de Moab. Mais Abraham est resté. C'est quand il s'est séparé d'avec Lot que Dieu a utilisé le deuxième signe arithmétique, la division. Moi, je pensais que si Dieu amène la soustraction, le signe qui va venir devait être l'addition. Mais j'ai compris. Non. Même après la soustraction, Dieu amène la division. La division. La division. La division, c'est le signe qui doit être appliqué dans ta vie aujourd'hui. La division. La division. La division. L'environnement n'était plus intéressant. Abraham n'entendait plus Dieu. Abraham n'écoutait plus Dieu. Il a dit, non, non, je dois me séparer avec l'autre. Quand est-ce qu'il faut appliquer la division? Quand l'environnement dans lequel tu es entretient tes péchés, entretient tes faiblesses, ça ne te permet plus d'écouter Dieu. Ça ne te permet plus d'évoluer. Tu ne fais plus les bénéfices que tu faisais autrefois. Tu n'as plus des relations comme tu en avais autrefois. Tu n'as plus les espoirs comme tu en avais autrefois. C'est que l'environnement là, ce n'est pas un environnement intéressant. Samson avait l'onction, mais avec les yeux bandés, floués, les Philistins ont commencé à se jouer de lui. Tu peux être quelqu'un qui a l'onction, tu as aussi l'appel de Dieu, mais quand tu n'as plus la vision, tu n'as plus le discernement, les Philistins peuvent être en train de jouer sur toi sans que tu le saches. Parce que Dieu t'a appelé à de très grandes choses. Donne-moi un amen bien. La division, la division. Dieu a appliqué la division. Il s'est séparé avec Lucifer. Quand ce dernier s'est détourné de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui viendront avec des arguments comme quoi Dieu est amour, Dieu est amour. Mais si Dieu était amour comme tu le dis là, pourquoi il s'est séparé avec Lucifer? À un certain moment dans la vie, il faut opérer la division. Entre réussir ta vie et entretenir les sentiments, le choix est clair. Beaucoup de gens n'ont pas avancé dans la vie à cause des sentiments. Beaucoup de gens n'ont pas expérimenté de grandes choses dans leur vie à cause des sentiments. Tôt ou tard, les gens te jugeront. Tu es venu ici, tu as fait 10 ans, 5 ans. Qu'est-ce que tu as fait? Juste les photos? Non, bien-aimé, tu dois dépasser l'aspect des photos. Tu ne vis pas pour impressionner les gens, mais tu vis pour atteindre les objectifs de Dieu dans ta vie. Tu dois opérer la division. Quelqu'un vient me dire, oh non, même Jésus a gardé Judas à côté de lui. Il faut avoir beaucoup d'amour. Jésus a gardé Judas seulement parce que Jésus avait fait 3 ans et demi. Et qu'on se dise la vérité. Toi, tu as le cœur de Jésus. Est-ce que toi, tu as le cœur de Jésus? Même Jésus n'a fait que 3 ans et demi avec Judas.
division est très importante, bien-aimé. La Bible dit, séparez-vous d'avec eux et je serai votre Dieu. Vous serez pour moi un fils et moi je serai votre père. Aujourd'hui, pour le bonheur de ta vie, il faut que tu te sépares de certaines relations. Amen. Tu dois te séparer de certains environnements. Quand les mauvaises personnes entrent dans la vie, ils amènent des mauvaises choses. Quand les mauvaises personnes entrent dans ta vie, ils amènent des mauvaises situations. Il y a des gens depuis qui sont entrés dans ta vie, tu ne fais que des mauvais rêves. Tu as commencé même à faire des choses que tu ne faisais même pas quand tu étais encore au pays. Tu es devenu même plus pire qu'avant. Tu as oublié même l'éducation que tes parents t'ont donnée juste pour faire plaisir aux gens. Donne-moi un amen bien. On dirait que je suis venu prêcher quelqu'un ici. Hein? Tu dois te séparer avec eux. L'âge avance. Je disais à quelqu'un que l'âge avance. Et dans la vie, tu dois aussi avancer. Le temps passe. Tu dois apprendre à racheter le temps. Sépare-toi avec eux. Sépare-toi avec eux. Abraham a dit, tu es mon neveu, mais aujourd'hui, séparation. On ne va plus continuer à vivre dans les sentiments. Quand Abraham s'est séparé, dans Genèse 12, Dieu lui est apparu. La division amène l'apparition divine. Parce que celui qui t'a embrouillé est parti. Et Dieu lui a dit, Abraham, Abraham, je suis ton Dieu. Je suis le Tout-Puissant. En hébreu, je suis El Shaddai. Depuis qu'Abraham avait rencontré Dieu, c'est pour la toute première fois que Dieu se révèle à lui comme El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. Parce qu'il n'était pas intègre. Il n'était pas intègre. Il ne regardait pas la face de Dieu. Il regardait la face de Dieu, il regardait aussi l'autre. Marche devant ma face. Et la face de Dieu en hébreu veut dire la volonté de Dieu. Marche en regardant la volonté de Dieu, en regardant la parole de Dieu. Parce que c'est au niveau de la face que Dieu utilise la bouche pour parler. Je suis El Shaddai. Quand Dieu s'est révélé à Abraham, il s'est révélé comme Yahweh. Même quand il raconte Melchisedec, Dieu se révèle en lui comme El Elyon. Mais c'est pour la toute première fois que Dieu se révèle à lui comme El Shaddai. Et dans vos Bibles, on a expliqué El Shaddai comme le Dieu tout-puissant et tout-suffisant qui n'est pas exactement précis. El Shaddai ne veut pas dire Dieu tout-puissant et tout-suffisant. Shaddai en hébreu veut dire saint. Et El, c'est Dieu. Elohim, El, c'est Dieu. Donc El Shaddai, c'est le Dieu des saints. Ou encore, le Dieu des mamelles. Le Dieu de ma mère, excusez-moi, mais c'est comme ça que je dois vous dire. Dieu veut dire à ce coco qui se disait que c'était fini pour lui, il ne pouvait plus avoir un enfant. J'ai encore des mamelles pour t'allaiter. J'ai encore des semences pour te rendre vigoureux. J'ai encore des semences. En moi, il y a encore du lait pour te permettre d'être vigoureux, d'être viril sur le plan de la destinée. Quand Dieu dit à Abraham, je suis El Shaddai, Dieu ne parle plus au salon, même pas au couloir, mais Dieu fait entrer Abraham dans la chambre.
Et dans cette dimension, Dieu enlève les habits. Il lui présente maintenant des mamelles. C'est le signe d'une intimité. Une intimité avec Dieu. Sois intègre et marche devant ma face. Parce que tu es maintenant dans l'intimité divine. Donne-moi un amen bien. Amen. Et Dieu lui dit, ton nom était Abraham. Parce que même, Ismaël est venu quand Abraham était Abraham. Mais pour la naissance d'Isaac, Dieu devait lui changer un nom. On t'appellera pris Abraham, qui signifie père élevé. Mais cette élévation-là, on ne l'a jamais vue. Il y a certains noms qui restent seulement de fantaisie. Boss, on ne voit pas qui bosse. Je changerai ton nom. Tu es Abraham, mais tu deviendras Abraham. Vous sentez même l'intonation change. J'ai pris Dieu que lorsqu'on prononcera ton nom, que l'intonation change. J'ai pris Dieu que lorsqu'ici on va prononcer ton nom encore, que l'intonation change. Père d'une multitude de nations. Quand Dieu parle comme ça, les gars n'ont même pas l'enfant que Dieu lui a promis, mais Dieu lui appelle maintenant père d'une multitude. Donc quand il partait, quand il marchait, il se promenait, on libérait sur lui un nom qui ne correspondait pas à la réalité. C'est ça la foi. Tu n'es pas encore arrivé, mais on libère le nom sur toi. Abraham! Abraham. Abraham. Mais c'est le même nom. Il y a juste une consonne qui change. C'est le même nom. Mais juste une consonne qui vient changer l'affaire. Mais la consonne là, c'est H. Alors nous nous posons la question. D'où provient le H? Parce que le nom de Jésus commence par J. On devait mettre J à l'intérieur. Le nom de Dieu commence par D. On devait mettre D à l'intérieur. Mais où provient le H qu'on a placé là-bas? Ah! Quand Dieu avait rencontré Moïse, Moïse lui a posé la question. On me posera le nom. Dieu dit, va leur dire, je suis. Le je suis là, c'est Yahweh. Et le Yahweh est composé de 4 lettres. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voyelles. Y, H, W, H. Un nom, mais il y a une lettre qui se dédouble. C'est H. C'est H. Alors, je commence à comprendre maintenant d'où Dieu a tiré les H. Dieu est allé à la fin de son nom. Il a pris les H. Et il est venu l'introduire au milieu du nom d'Abraham. Au milieu du nom d'Abraham. Au milieu du nom d'Abraham. Oh, la fin du nom de Dieu, c'est là où sa dernière puissance se retrouve. Dieu a sacrifié sa dernière puissance. Et il venait l'introduire au milieu du nom d'Abraham. Au milieu du nom d'Abraham. C'est pourquoi il n'était plus père élevé, mais père d'une multitude. Père élevé, mais père d'une multitude. On dirait que je parle à quelqu'un. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas.
son nom, la consonne là était la dernière lettre du nom de Dieu. Il devait aussi le mettre à la dernière lettre du nom d'Abraham. Dieu a dit non. Moi-même, je suis Alpha et Oméga. Mais j'ai l'impression comme si je laisse le milieu aux ennemis. Moi-même, je suis Alpha et Oméga, le premier et le dernier. Mais j'ai l'impression comme si je laisse les milliers. Je laisse les milliers aux ennemis. C'est comme ça que Dieu a dit non. Dorénavant, avec Abraham, les gens doivent comprendre que je suis le premier, le millier et le dernier. C'est comme ça qu'il vient s'introduire au millier. Mais on dirait comme si on n'avait pas bien lu la Bible. Parce que l'arbre de vie était placé au milieu du jardin. C'est comme si on n'avait pas très bien lu la Bible. Quand Dieu sépara la mer rouge, il sépara la mer rouge au milieu. C'est comme ça. C'est comme si on n'avait pas bien lu la Bible. Lors de la fournaise, Adam, le quatrième homme, est descendu au milieu. J'ai l'impression qu'on n'avait pas très bien lu la Bible. C'est au milieu de la nuit qu'on cria, l'époux doit venir. Non, on n'avait pas bien lu la Bible. Celui qui est mort pour moi à la croix n'est pas mort à gauche, n'est pas mort à droite. Il n'est pas mort à gauche. On dirait que je parle à quelqu'un ici. On dirait que je parle à quelqu'un ici. Oh, chabro santa. Proyo karaya santa mama. Mon goro chebrea bababa. Celui qui est mort pour toi n'est pas mort à gauche. Celui qui a été crucifié pour toi n'est pas été crucifié à droite. Il a été crucifié au milieu. Et lui-même nous a demandé, là où deux ou trois sont ensemble, je suis où? Je suis où? Je suis où? Je suis en train de parler à quelqu'un. Ta bénédiction ne viendra pas au mois de décembre. Au milieu de l'année, Dieu va te surprendre. Ta bénédiction ne viendra pas au mois de décembre. Au milieu de l'année, Dieu va te surprendre. Ton élévation ne viendra pas au mois de décembre. Au milieu de l'année, Dieu va te surprendre. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va te surprendre. Le Rochabroya Sata. Dieu va surprendre ta vie. Ça sera au milieu. Ça sera au milieu. Ça sera pour milieu. Il y a des gens qui disent vaut mieux la fin d'une chose. Toi, tu n'attendras pas la fin. Déjà au milieu, tu verras clair. Déjà au milieu, Dieu va fructifier tes affaires. Déjà au milieu, Dieu va te faire rencontrer cet homme-là. Déjà au milieu, Dieu va te donner cet enfant-là. Déjà au milieu, Dieu va te bénir. Faut pas attendre la fin. Souvent nous venons à l'église. D'ici la fin, tu vas témoigner. Non, toi au milieu. Toi, ce n'est pas la fin. Au milieu. Au milieu. Dieu a additionné son nom au milieu du nom d'Abraham. Donne-moi un amen bien. Dites avec moi, il y avait encore un autre problème. Il y a un H qui était resté. Parce qu'il y en avait deux, non? Dans les tétagrammes du nom de Dieu. YH, WH. Dieu a pris les H de la fin. Mais il y a le deuxième H qui était resté. Dieu l'a mis dans le nom de Sarah. C'est comme ça qu'on l'appelle Sarai, mais Sarah. Quand Dieu additionne les leaders, il additionne aussi les collaborateurs. Quand Dieu additionne l'homme, il additionne aussi la femme. Pour que leur combinaison produise Isaac. Et Isaac veut dire sourire. Isaac veut dire sourire.
faut cette combinaison. Donne-moi un amen bien. C'est comme ça, bien-aimé. Quand Abraham est allé maintenant avec Sarai, qui est devenue Sarah, Isaac est arrivé. Le sourire est arrivé. Dieu a opéré l'addition. Dieu a additionné son nom. C'est comme ça que dans la Bible, vous trouverez avec Dieu, avec Dieu, avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nos ennemis seront. Avec Dieu, je marche sur une troupe en armes. Et avec Dieu, je franchis une muraille. Sans moi, vous ne pouvez rien, mais avec moi, vous pouvez tout. Avec Dieu. Avec Dieu, tu fais la majorité. Avec Dieu. Avec Dieu, tu es plus puissant que tous les sorciers de ta famille. Avec Dieu. Avec Dieu, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Avec Dieu, les ténèbres se changent en lumière. Les négatifs deviennent positifs. Avec Dieu, tu commences la vie seule, mais tu les termines dans un mariage béni avec des enfants. Avec Dieu, tu es entré ici avec un sac, mais tu sors ici avec un avion rempli de choses. Avec Dieu. Avec Dieu. Parce que Dieu vient intervenir, s'intégrer au milieu de ta vie pour changer toutes les données. Avec Dieu. Mon Dieu, le temps est en train de passer, je dois voyager. Je dois voyager. Dieu a soustrait. Dieu a divisé. Dieu a additionné. Apparemment, il reste un chiffre. Ah, je garde ça quand je viendrai. Parce que tout ce que je disais là, c'était l'introduction. C'est maintenant que je vais maintenant décortiquer des choses importantes. Dans une semaine.